Bonjour à tous et à toutes, je me présente, Maxence Roussel, élève de la classe d'économie de 6e. Nous allons parler de différents projets afin de récolter de l'argent pour notre voyage réto. Donc le premier groupe dont nous allons parler est la vente de pain au chocolat qui est faite par Duran de Trembry et Louise de Cuman. Donc que pouvez-vous nous dire à propos de cette vente? Bonjour, nous vendons donc des pains au chocolat à la modique somme de 1 euro. Ça se déroulera le mercredi et le vendredi à 10h sous le préau. Oui, donc en effet, c'est des petits pains qui nous viennent de la boulangerie de Vienne, boulangerie tournaisienne que vous connaissez tous sûrement. Et je peux vous dire qu'ils sont très bons pour les avoir moi-même goûtés. Donc ça servira à payer notre voyage à Budapest pour tous les sixièmes. On départagera la somme équitablement, bien sûr. D'accord, c'est merci parfait. Merci de nous avoir écoutés. De rien. Donc, merci Duran et Louise pour cette présentation pour leur projet de vente de pain au chocolat. Donc, maintenant, nous allons parler avec le groupe numéro 2. Ils vont vendre des biscuits. Pouvez-vous nous présenter votre projet, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Estelle Delcourt. Oui, bonjour, je m'appelle Arthur Gigounon, élève de 6e. Bonjour, je m'appelle Laurie Dussard. Donc, nous allons vous présenter notre activité. Donc, on va vendre les biscuits comme chaque année de l'entreprise Poppies. Et donc, vous aurez différents choix. Je peux vous dire qu'ils sont très bons. Donc, on aura des biscuits au brownie, au chocolat, etc. Et donc, une feuille sera distribuée après janvier dans les classes et vous pourrez choisir les différentes sortes de biscuits à votre convenance. Et n'hésitez pas à en vendre partout dans votre famille et les amis. Pour merci. Plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler. D'accord. Merci, bien. Merci bien. Beaucoup pour toutes ces informations. Donc, maintenant, nous allons passer au groupe 3 qui s'occupe du carouache. Qui est organisé par Kevin de Regnecourt et Pierre Delecroix. Donc, pouvez-vous nous dire plus d'informations à propos de cela? Oui, tout à fait, Maxence. Donc, je me présente, Kevin. Ce jeudi 27 octobre, après les réunions, nous organisons un car wash également au profit de notre voyage réto. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas seulement la classe économie qui va s'occuper de ceci, mais bien tous les rétos qui vont donner chacun leur coup de main. Donc, Pierre, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce car wash? Donc voilà, c'est une activité qui va se réaliser dans la cour de récréation de Saint-André, qui coûtera 5 euros ou plus, et qui se déroulera de 16h à 20h le jour des réunions de parents. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Mais de rien. Oh, il n'y a pas de quoi. Donc maintenant, nous allons interviewer le groupe numéro 4, qui s'occupe de la vente de roses pour la Saint-Valentin. Donc je leur laisse présenter le projet. Bonjour, je suis Lisa. Bonjour, je suis Clara. Bonjour, je suis Mathilde. Alors, comme chaque année, nous allons vendre des roses pour la Saint-Valentin. Donc, vous connaissez le principe de la rose blanche et de la rose rouge que vous pouvez offrir avec un petit mot. Elles seront en vente sur le temps de midi, début février, à la fenêtre du A4 et elles seront distribuées le jour de la Saint-Valentin. Pour plus de renseignements, il y aura des affiches un peu partout dans l'école au moment propice. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Donc, maintenant, nous allons parler avec le dernier groupe qui s'occupe de la vente de pizza. Donc, bonjour. Bonjour, je suis Camille François, élève en 6e B. Nous allons vendre des pizzas fraîches pour notre voyage réto. Elles pourront être congelées si vous le désirez. Donc, moi, je vais vous parler plus du côté pratique. Vous pourrez passer commande durant le mois de novembre ou dans le hall aussi de l'école. La livraison se fera le jour de la réunion de parents du 22 décembre. Donc pour terminer l'émission, je laisse la parole à Madame Boutrine, notre professeure d'économie. Bonjour, donc je me présente, Madame Boutrine, je suis professeure d'économie en 4e, 5e et 6e année. Et voilà, donc je soutiens mes élèves dans tous leurs projets pour diminuer le coût de ce voyage. Ils sont vraiment très motivés et je vous remercie aussi tous de participer. Oh, merci.
The book.